What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu particulier. Alors la vidéo était sortie hier mais le gameplay laguait. Du coup on la refait aujourd'hui en espérant que ça ne lag pas cette fois-ci. Et du coup c'est parti, donc c'est directement un jeu en rapport avec nous, avec moi et Lady directement, qu'un abonné a fait, enfin un abonné maintenant on le connaît un petit peu plus puisqu'on l'a rencontré IRL. Il s'appelle Weaponedge, un grand merci à lui. Et du coup il a fait un petit jeu. Alors pour l'instant le jeu n'est pas terminé, il m'a écrit, il m'a dit qu'il y avait 6 niveaux en tout dans le jeu. Pour l'instant on en a deux et d'ailleurs le deuxième n'est pas complètement terminé parce qu'il souhaite rajouter des petites animations au début et à la fin du niveau. En tout cas on va commencer, je vais vous présenter le début de ce jeu, donc c'est parti. Et en tout cas donc voilà, un grand merci à lui, c'était un jeu qui devait sortir pour les 100 000 abonnés mais bon il est très préoccupé. Et du coup voilà, c'est un petit peu de retard mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte et vous allez voir que c'est plutôt pas mal du tout. Donc il était une fois dans une lointaine, très lointaine galaxie. Là, on a la petite musique de Star Wars, on a l'ancien logo qu'on avait à l'époque. Hein. D'ailleurs, le logo, on est toujours en train de travailler dessus en ce moment. On est toujours, voilà, c'est vraiment compliqué de trouver le logo qui nous colle parfaitement. Et du coup, c'est vrai que, voilà, on est encore en train de travailler dessus. On a oublié celui-ci, mais c'est vrai qu'il était pas mal du tout. Non, mais en fait, ça se passe dans un coin perdu sur Terre. Là, bon, reprenons. Il était une fois dans un coin paumé sur Terre, du coup. On n'habite pas dans un coin paumé, mais bon, on est paumé sur Terre. Et là, vous voyez, on va voir le petit logo ZF. Alors évidemment, j'ai déjà fait le jeu, hein, puisqu'on l'a fait hier. Voilà, le logo ZF avec le Superman. Lady Ball et The Maître Yoda, un jeune couple fougueux et plein de pep, se lancent dans l'aventure de YouTube et décident de fonder la chaîne Zombie Factory. Ils se font connaître en faisant des vidéos sur les modes zombies du jeu Call of Duty, mais bientôt, un nouveau jeu va faire exploser leur notoriété. En effet, l'arrivée du jeu Destiny fait grimper leur popularité et le nombre de followers ne cesse d'augmenter. Nous sommes à la veille d'atteindre les 100 000 abonnés, bienvenue dans les aventures de la Zombie Factory. C'est parti, alors franchement il a super bien fait ça, vous allez voir. Alors il faut savoir également qu'on peut jouer à la souris, ou enfin au clavier souris ou à la manette, moi je vais jouer à la manette. Hey yo, what's up les potes, j'espère que vous allez bien, what the fuck, hey Lady, viens voir, tu vas halluciner. Et oui mon petit Yoda chéri d'amour que j'aime, je t'envoie juste un tweet et j'arrive. Et vous savez pas, ça colle parfaitement parce que combien de fois je lui dis, eh, viens voir et tout. Attends, je tweet un truc, j'arrive, combien de fois c'est arrivé. Ouah, c'est pas vrai, on va atteindre les 100 000 followers. Et là, vous regardez bien derrière, il y a des petits zombies qui passent. Et les zombies, ils ont embarqué notre chien. Et Lady les a vus, Lady les a vus. Yoda, il y a des zombies qui viennent d'enlever Maddy. Vite, allons le chercher. Voilà, donc Maddy, pour ceux qui savent pas, c'est notre chien, c'est un boxeur. Et du coup, le but du jeu est d'aller récupérer Maddy. Donc là, c'est moi, vous voyez. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut changer de personnage. Voilà, j'appuie juste sur rond sur la manette. Voilà, hop. Et let's go. Alors ce jeu, les 6 niveaux vont faire référence directement à différents jeux, voilà, tout simplement. Donc Hulk, voilà, donné à toi, il faut que je trouve 6 autres pièces. Donc allez, c'est parti, il y a des zombies, donc le seul moyen de les tuer, hop, c'est de leur sauter dessus, c'est parti. Franchement, c'est vraiment stylé, hein, je kiffe. Alors vous voyez, alors là c'est moi directement avec la petite veste, avec les petits logos en Zombie Factory, et là c'est Lady. Hop. Alors faut savoir que si vous mourrez, en plus des fois, enfin, voilà, moi j'ai quand même joué 2-3 fois, donc je sais comment ça fonctionne maintenant, mais si vous mourrez, et ben vous repartez à zéro, et même au deuxième niveau. Si vous mourrez au deuxième niveau, vous repartez à zéro. Et c'est vraiment là qu'il faut faire attention du coup. Hop, il y a une pièce ici, il faut encore qu'on en récupère deux. Hop, on va monter là, tac. Alors là, c'est attention parce que là, faut pas fail. Hop. Et attendez, est-ce que j'ai toutes les pièces? J'ai oublié une pièce. Ah, si je vais là, ça fait quoi? Ok, j'ai oublié une pièce, alors faut que je revienne en arrière, je sais pas où je l'ai oublié. En plus, oh là là, les plateformes. Oh, je suis mort. Bon, je retourne. Voilà, le jeu a planté. Start. Bon, je vais relancer les gens, le jeu a planté, ça arrive de temps en temps évidemment, hein, c'est pas, voilà, ils travaillent pas dans ce domaine là à la base, donc c'est vrai que le jeu peut planter, on va recommencer à zéro, c'est pas grave. Allez, c'est parti, du coup on va pouvoir prendre la pièce qui nous manque, je sais pas où je l'ai oublié, j'ai pas vu. Ah, mais je crois qu'il y a une pièce qui est cachée si je dis pas de bêtises, attendez. Là, je suis à 2 pièces, hop, 3 pièces, alors attends, on va faire comme ça. Hop.
Celle-là, je l'ai récupérée tout à l'heure, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hop, on a tué tout le monde. On revient prendre celle-là. Donc là, on est en x4. Je crois qu'il y a une pièce qui est cachée, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'elle est là-haut, alors attendez. Je crois qu'elle est là. Ah, elle était là, vous voyez le x5. Elle était cachée. Ah, il fait des petits pièges, hein. Il a fait des petits pièges, il peut être. Du coup, voilà, là, on a toutes les pièces. Impeccable. On va le tuer, lui, quand même. Hop. Et voilà. On a la dernière pièce. Là, du coup, on a fini le niveau. Et vous voyez qu'il y a les Avengers qui débarquent. Voilà, franchement, c'est stylé. Il a fait des petits clins d'œil en plus aux super-héros. Ça fait plaisir. C'est pas vrai, j'y crois pas. Les Zombie Factory, ça fait un choc. Parodine, qui sont ces manants? Parodin, pardon, Parodine. Tu les connais, Tony? Oui, je suis abonné à leur chaîne YouTube, j'ai beaucoup regardé leurs tutos sur le jeu Destiny, ça va bien aider. Ouais, je suis trop content de vous rencontrer, je pourrais faire un selfie avec vous, bah, sans problème, quand tu veux, hein, tu peux venir faire un selfie, non, je rigole. Ouais, hein. Bon, Tony, je crois qu'il va falloir y aller, car Fury est à Furax, si tu vois ce que je veux dire. Dites, avant de partir, vous n'aurez pas aperçu un chien par hasard, il a été enlevé par des zombies. Bah oui, parce que nous, on veut récupérer notre chien, vous savez pas, je sais pas si vous avez des chiens, mais nous, un chien, c'est voilà, c'est hyper important pour nous, notre chien, faut qu'on le récupère, c'est pas normal. Hein, on n'a pas réussi à voir son visage, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce portail vous emmène dans la dimension du rétro gaming, faites attention à vous. Alors, j'ai vu que le chien était avec un homme mystérieux, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, peut-être l'homme mystérieux, je pense que ça va être pas mal sur la fin. En plus, il a fait pas mal de clins d'œil à différents jeux, vous allez voir pour ceux qui connaissent. Oui, bien sûr, ah ouais, non, désolé, il y a un peu de 13 bon courage. Ils veulent pas nous aider, les Avengers, ils sont pas sympas. Donc, premier niveau terminé, on va passer du coup au deuxième niveau. Le deuxième niveau est beaucoup plus rapide, je vous l'ai dit. Enfin, voilà, il nous reste pas mal de travail à faire dessus, hein. On lui met pas la pression, il a le temps où il poneige, il n'y a pas de problème. Et du coup, vous voyez, directement, on se retrouve dans Pac-Man, c'est assez stylé. Alors là, c'est le même but, hein, faut prendre les pièces. Alors, je sais pas si ça change quelque chose de prendre tous les ronds jaunes, hein. On va les prendre, voilà, quitte à faire autant clean, hein. Mais là, par contre, faut savoir que les mobs, vous pouvez pas les tuer. Voilà, hop, on va prendre les pièces. Directement, tac, tac, tac. Voilà, 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 voilà. Prends les pièces jaunes. Alors, faut savoir que ce jeu, on vous le mettra librement en téléchargement quand il sera fini. Ça sert à rien qu'on vous le mette maintenant. On vous le mettra, voilà, vraiment quand les 6 niveaux seront finis. Par contre, soyez pas trop pressé, hein. Weapon Edge, on lui met pas, il a du boulot et tout ça, faut pas lui mettre la pression. C'est normal. Oh là là. Oh non, mais bah, il m'a tué. Voilà, repart là. Oh là là, il me reste combien de vie? Une vie, les gars. Alors là, par contre, si je fail, je recommence tout au début. Il tourne pas. Alors attendez, j'ai pas fail. Je sais pas si je vais prendre tous les ronds jaunes, hein. J'ai pas envie de mourir. Ok, lui va là. Voilà. Bon, allez, je vais pas prendre tous les ronds jaunes, je pense pas que ça change. Bon, allez, vous savez quoi, on va quand même les prendre. Il les a mis, on va les prendre. Oh là là, je suis retombé bien bas là. Ici on avait tout pris. Ok, il y a ceux-là qu'il faut que je prenne. Je peux les prendre là, je pense. Voilà. Oh là là. C'est dangereux ce que je fais. Oh, j'ai eu chaud, les gars. Hop, je crois qu'on a pris tous les ronds. Et voilà, on a fini le deuxième niveau. Donc je vous l'ai dit, hein, il y a sûrement des animations qui vont venir. C'est ce qu'il m'a dit par la suite. Et là, le troisième niveau, donc qui est en construction, ça va être sur le jeu. The Altered Beast, pardon, je sais pas comment on dit, je connais pas du tout ce jeu, il m'a dit que c'était un jeu qui à l'époque était sorti directement sur Mega Drive, voilà, moi je connais pas, il fait des petits clins d'œil comme ça sur les jeux à l'ancienne, et il m'a dit qu'il y aura un petit clin d'œil au jeu Aladdin, c'est le jeu de mon enfance tout simplement, à l'époque je jouais plus beaucoup, pas trop à la console quand on était petit, mais sur la Sega Mega Drive j'ai squatté Aladdin, je me souviens quand il pleuvait, mes parents m'étaient devant, et j'ai hâte de voir le niveau qu'il va nous faire. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, hein. C'est un petit jeu à part, c'était pour rendre hommage au travail de Weapon Edge. Un grand merci à lui encore une fois pour le travail qu'il a pu accomplir sur ce jeu, franchement ça nous touche énormément. Et puis je vous dis à très bientôt les potes pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, tchuss.